Previously. Parce qu'il est chez lui déjà, mais l'avantage, j'ai laissé zéro chance. Il est venu ici pour garder la ligne. Halfway through round one and Omar Sam is here to fight. Omar's rise onto the biggest stage in Muay Thai is another success story of the blossoming generation of French fighters that are finding success globally. En France, on a beaucoup de boxeurs de très haut niveau qui représentent la France dans les plus grosses organisations mondiales. Mon club, il est connu grâce à Albert Che. Un très très grand champion, que je kiffe d'ailleurs, parce que malgré qu'il ait une grosse carrière, il se la joue jamais, il me conseille beaucoup, il veut toujours que je sois au top. Des fois il m'engueule, des fois il crie, mais c'est que du bénéfique pour moi, parce qu'il veut le meilleur de moi et il veut que je sois au sommet. Même si je peux le dépasser sa notoriété, mais il serait très content pour moi. Coach Albert Che is finalizing the preparations for Omar's biggest fight of his career. La préparation d'Omar se passe très bien. Il sera prêt le jour J, pas avant ni après. Et on a fait appel à d'autres liens comme le préparateur physique, le nutritionniste et agencer ça avec la technique. Donc il va être à 100%. Omar Sam will be stepping into the ring on the 24th November against Cambodia's Kyo Ramchong. Ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment accentué sa préparation sur son physique pour qu'il puisse tenir les 5 rounds. Minimum 5 rounds. Avant il tenait aussi, hein, pas de soucis, hein. Mais là vraiment faut qu'il soit vraiment plus technique, plus physique, qu'il frappe vraiment plus fort, encore plus puissant, encore plus rapide, encore plus. On travaille beaucoup son œil, son coup d'œil. This time around, Omar's been training harder than ever for his fight with the Khan Khmer superstar. Prochain adversaire, je sais qu'il est très bon. Ça fait longtemps qu'il est sur le terrain. Il a beaucoup de noms à son actif, beaucoup de victoires. Mais ça ne m'impressionne pas. Je sais que j'ai la capacité de le battre et je vais le battre. Omar will be fighting for the Muay Thai Grand Prix belt and Albert is extremely proud. Le fait qu'il remporte cette ceinture sera une grande fierté pour moi personnellement parce que ça fait très longtemps qu'il est avec moi et depuis qu'il est tout jeune. Et une grande fierté pour la salle, pour le gym, le Temple Bordeaux. Grande fierté pour sa famille et pour lui-même, je pense. He's watched him grow as a fighter and as a man, and is excited to see Omar test his ability at the infamous Bataclan and under the spotlight of the world watching. Je voudrais que les gens se rappellent de moi en étant un showman, un guerrier qui est là pour faire le show sur le ring et surtout se rappeler de moi. Grâce à mes victoires contre des gros adversaires. As fight day approaches, many questions are being asked about Omar and this exciting matchup. Will the young Frenchman deliver on his promise? On est là pour prendre cette ceinture, donc je m'entraînais deux fois plus dur. Et j'ai ramené cette ceinture coûte que coûte. And will Omar's hard work and training pay off? Will he be able to be the showman he claims to be? Execute his coach's game plan in front of a supporting home crowd. Maintenant, voilà, il faut vraiment qu'il soit au-dessus pour prouver au monde qu'il est vraiment au top niveau. A massive opportunity for Omar Sam to really announce himself to the Muay Thai Grand Prix faithful. Will his opponent Kyo be able to stop him in his tracks and steal the title? Omar, I'm coming for you. All the answers and all the drama will unfold this weekend at the Bataclan venue in Paris, November the 24th. The long-awaited Muay Thai Grand Prix 31. And as for Omar's prediction for this week's fight, knockout. You wouldn't expect anything less. And he's signaling that he wants a belt. He wants a shot at a belt.